お待たせしました。行きましょう。Yo les rageux, c'est Skippycraft, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre let's play sur Sekiro. J'ai dit que j'étais désolé de l'attente parce que ça fait vraiment un moment que l'épisode 5 est sorti. C'est juste que j'avais besoin de prendre la pause sur le jeu. Puis aussi que j'ai tryhardé, j'ai clairement tryhardé Subnautica. Je crois que je faisais 2 épisodes par jour à un moment. Donc voilà, on se retrouve enfin sur Sekiro pour la suite du let's play. On avait terminé sur le boss, le chasseur de Shinobi, qui était infernal pour nous. Ok, j'ai déjà oublié les commandes Xbox. Ouais, parfait. Et là, maintenant, on va retourner... Merci. On va retourner continuer le jeu, bien évidemment. Mon ami Maxime m'a dit, fais gaffe quand tu verras Dame Papillon. Dame Papillon, qu'est-ce que c'est? Une jeune dame à qui je vais devoir encore sauver et que je devrais éventuellement prendre la main? Nous verrons. Nous allons voyager au domaine... Hirata, c'est ça? Oui. Au domaine Hirata. Colline au bambou. C'est là qu'on s'est arrêté, les amis. Et du coup, c'est parti! Ok, les amis, nous revoilà dans la forêt de bambou. On avait battu le chasseur de Shinobi. Ok. Alors, franchement, ça fait un moment que j'ai pu jouer. C'est un jeu que, si j'avais su, je l'aurais même pas fait sur YouTube. Parce que c'est un jeu que j'ai envie de profiter. Merde. Let's go. Je crois que je me suis fait un peu trop remarquer, comme d'habitude. J'aurais tellement pas voulu me tromper de touche à ce moment-là. Hey, y en a un, il me voit? Ok. Oh my! T'es mort! Ok, j'ai pris cher. J'ai oublié que j'avais pas beaucoup, que j'avais de la vie limitée. Mes amis m'ont clairement dit que c'était un jeu d'infiltration et de discrétion, et moi je rentre comme un bourrin. Ouah ! Oh putain ! Mauvais chemin ! J'espère qu'on se fout de ma... On se fout de ma gueule, il y a des ennemis partout ! Ok, il y a un mec là-haut. Ok, je fonce. Wouh! 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 T'es mort! Je suis un shinobi, je suis Okami! Oh! Je risque d'en avoir besoin. Ok. Maison fun incendie, ma parole! Mort! Je vais quand même pas mourir dès le début de l'épisode! Je ne le permettrai pas! Il est dur le retour, les amis! Ah! Ok. Je sais plus où est le grappin. Là-haut. On va attendre qu'il se calme un peu. Est-ce que je suis en mesure de pouvoir me soigner? Oui! On fera avec. Peut-être n'aurais-je pas dû l'user tout de suite.
putain d'archer de merde. Bon, je m'en suis pas trop mal tiré, on va dire. On va relativiser la chose. Une boulette. C'est la seule que j'ai. On fera gaffe. Je pense qu'on est presque arrivé au monastère. Au temple, ou je ne sais pas quoi. Faut protéger... Oh putain. Y'a un troll! Toi, je ne veux clairement pas t'affronter. Est-ce qu'il y a moyen que je passe en dessous? La 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 la... Je refuse d'affronter une créature. Pareil. Je pense que je vais y aller en mode sprint. Mais genre, tu vois le genre. Ça ne sert à rien que je me batte contre ça. Il m'a vu. Non, il m'a pas vu. T'as vu sa grosse massue? Il m'a vu. Ah! 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 Fouillez! Je refuse de me battre contre... Oh putain, je suis arrivé. Je pense qu'il y aura un comité d'accueil. Massaka! J'arrive trop tard! Ouais! Je voudrais bien pouvoir enquêter en fait, mais. Qu'est-ce s'est-il passé ici? Je pense que j'allais là-haut. Ah ouais, clairement. Là-haut, je risque rien. Oula, ça va partir en parcours jump. Il y a juste s'il y a rien, mais... Yeah, il y a un truc en dessous. Non? Non. Ok. Je sais pas pour vous, les amis, mais moi je sens pas, perso. J'ai fait tomber. Il y a une chaîne. Pas une corde. Je peux marcher dessus. J'ai pas trop envie d'essayer. Est-ce que mon personnage est formé pour marcher sur une corde au-dessus du vide? Il peut faire toutes sortes de choses, mais ça, il peut? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Bah, il peut pas. Ah, j'ai flippé. J'ai cru que j'aurais jamais pu y retourner. Ok. Ah, ouh, là, c'est peuplé. Okay, alors, lui, je vais faire en sorte qu'il me voit pas. Ah, je me trompe dans les touches tout le temps. Il est complètement con. Ok, j'ai vu ton pote là. Je vois bien un checkpoint. Yashiki wa imagoro, hi no umi yo. Ah, nuke dashite kuru to shitara, kono kakushi horawana ni chigee ne. 重蔵様の言いつけだ。ネズミ一匹逃がすんじゃないぞ。分かってるさ。俺はもともと大っ嫌いなんだ。危なくなりゃ自分だけ逃げ出す卑怯者がよ。チッ。パテティック。OK, un mec tout droit. Ils sont combien du coup là, deux? Tu vas pouvoir me le faire facilement, normalement. Let's go. Et de... Ah! Oui, viennent d'où les autres? Ah!
Pitié, pitié! Faut que je ressuscite! Je suis trop loin! Zetaini Makenai! L'homme très convaincant! Et convaincu surtout! Ballon de richesse, ça c'est excellent, mais par contre là j'ai plus de soins. Fuck you! Putain! Je suis pas fait pour lui. Je vais tracer. Je sais pas où aller. Putain, je sais pas où aller. Ah, c'était la grotte que je suis con. Je fonce tout droit, je regarde rien. Il me suit plus. Avec un peu de chance, il y aura personne là-bas. Trop stylé. Où suis-je? Ok, je dois aller par là. Il y a un objet par là. Oh! Un hôtel pour sauvegarder! Enfin, pour checkpoint. Je peux me reposer. On va le faire. Comme ça, je regagne ma vie et ma résurrection. Les ennemis, ben, comme de cette zone-ci, j'ai tué personne. Ça va être top. Personne ne reviendra. Bien. Fuck. Sérieux, reste quelqu'un ici? Je fais le tour. Je peux pas. Évidemment. Ok, il baisse sa garde. Je sais pas ce que tu as vu, mon pote, mais... Oh, mais le con. Ok, fuck. Merde, je me suis trompé de touche depuis tantôt! J'ai spammé... Une touche. Oh là là, regardez tout le monde. Regardez-moi le monde qu'il y a. Je peux même pas passer par les hauteurs. Pas possible, je dois pouvoir monter sur les murs. Je suis vraiment obligé de foncer dans le tas. Eux, je vais les attirer. Ah, j'ai récupéré ma gourde. Oh, fallait dire plus tôt. Oh putain. Ok, je dois aller là-bas. Il y a des gardes là-bas. Je passe par là. Hop, je me fais surtout pas remarquer. Fuck you! Fuck you, ils m'ont tous vu! Ils sont en tout cas beaucoup trop nombreux pour que je les combatte. Par ici, y'a rien. Allez.
Fuck you. Non. Non. Oh putain, non. Je peux plus remonter. Je vais mourir. J'ai dû prendre ma gourde, c'est un malheur. Cinq brûlures. Que bah je pense que je devais pas venir ici. Quoi? Ok. Bah j'ai niqué la discrétion. Quoi? Mais putain! J'ai pas le temps de lui parler, c'est une blague j'espère. Je veux simplement lui parler. Il avait l'air important aussi. Oh je vais mourir en plus. Bah rip. Je suis pas prêt pour me battre. Pas pu ramasser l'objet. Je sais pas du tout où je vais, les amis, là. Parce qu'il y a beaucoup de monde. Mais d'où est-ce qu'ils me voient tous, enfin? J'ignore totalement où est-ce que je dois aller. C'est une blague, j'espère. Ah, j'étais tellement peu loin, j'aurais pas dû ressusciter tout de suite. Ah bah ouais. J'étais pas loin par rapport au dernier totem. Je suis mort comme un con. Et j'oublie que je tue des gens à chaque fois que je ressuscite. Mais ça, je m'en fous. Elle est bonne, celle-là. Bon. Okay, bonjour. Moi, je dois rentrer là-bas. Ok. Avec une chose à faire. Et à essayer. Oh putain, c'est quoi le gorille là-bas? Ça abasse. Y a un mur, y'a un brouillard, c'est un boss. Et regardez le nombre de monstres, enfin de méchants qu'il y a autour. C'est foutu pour moi, c'est foutu. Il faut que je les attire tous, un par un. Et ne me dis pas que le boss il a une lance par contre. Non, il a juste un putain de sabre. Qui est aussi énorme que ma nullité dans ce jeu. J'allais pas faire de mauvaise. Mais c'est un sumo. Par contre, y a plus le brouillard. Non, c'est mort. Je suis obligé de le buter. Mais je vais aller parler au mec. Je l'ai vu. Je voudrais aller parler au gars là. Regardez-le.
Je vais juste voir sa barre de vie, Yogamel. Oh non, il m'a vu. C'est une blague, j'espère. Et vu la taille de son sabre, lui, pour lui retirer une barre de vie, il faut que je le prenne par derrière. Après, je sais pas ce que je dois faire du tout. Oh, contre Mikiri ! Son sabre, il fait la taille d'une lance, non ? Ok. Et une barre de vie de moi ! Juzo, le pocha ! Oh putain, c'est lui le méchant qu'ils ont dit que mettre Juzo, là. Amène-toi, Grotta ! Un coup. Un coup. Ça sert à rien que je ressuscite, c'est bon. Hein. Putain. J'ai passé combien d'heures? J'avais passé 2h30 sur le chasseur de Shinobi. Je sais pas combien de temps j'ai passé sur celui-là, mon pote. Bon bah les amis, il va falloir y retourner. Pas en mode YOLO, parce qu'il faut tuer tout le monde, donc il faut analyser. Merde. Mais attends, quel moment il m'a vu là? C'est une blague, j'espère. Bien. Fuck, je suis con, putain, je suis mid-life presque. Ok, discrétion. Mais putain, j'arrête pas de me prendre du feu! Ouais, j'ai perdu toute ma vie. Les gens, ils m'ont vu. C'est des snipers! Les snipers l'ont pété inventé à l'âge du Moyen-Âge, hein, oh. Mais laisse-moi lui parler, sale lâche de tes morts! Il a détourné l'attention, bien. Je suis obligé de lui parler. あぐれ忍びも捨てたものではないわ。わしは若様も九郎様を救わねばならん。そうせねば一心様に申し訳が立たぬ。共に参れ。 Quoi? Je savais que je devais lui parler. Je le savais. Il est trop fort. Hé, hey, Grotta! C'est moi, ton adversaire! J'ai oublié de retirer une barre de vie. Ah! Un coup! Mais j'ai trouvé le moyen! Lui doit. Moi, je vais rester planqué pendant que lui est en train de se battre en mode YOLO. Et moi, je vais par derrière attaquer le gros, lui retirer sa première barre de vie. Voilà le plan. Et surtout, j'évite de perdre la vie bêtement à cause des flammes. Ouais. J'attends le bon moment avant d'attaquer le gros. Mais pourquoi j'arrive pas? Ok, ça risque de me poser problème les archers derrière là. What? Mais fuck, je me suis trompé de touche encore hein. Mais putain, j'arrive pas! Mais
putain, mais... Mais... Arrêtez de m'enchaîner, mais c'est lui que je veux vaincre. Il est mort? Ouah, il court vite. Ok, il me reste un PV, quoi. Ouah! Autant me suicider là, au point d'en est. J'ai aucune idée de comment je dois le battre en plus. Elle est bonne celle-là. Mon pote il est mort en fait. C'était bien ton embuscade là, 20 000 contre 1. Mais... Je me suis suicidé, ça sert à rien. Ah, je suis même pas ressuscité, ça sert à rien. Je peux même pas lui retirer une barre de vie par effet de surprise. Elle est bonne celle-là. Bon les amis, on va essayer autrement. Parce que le petit gaillard là, le samouraï à qui on va parler là en bleu, m'a l'air fort. Mais je me dis, si je nettoie tout le monde qui est autour du gros lard, et qu'on est en 2v1 après, on aurait toutes nos chances. J'ai vraiment pas envie de m'y frotter, tu vois. Notre pote là n'ira pas lui parler tout de suite. Je suis ici. Non, 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 pitié, pitié, non, 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 non. Faut pas qu'on me voit tout de suite. C'est pas le plan du... Il y a beaucoup de gros, enfin beaucoup de gens à tuer en tout cas. Je vais me faire d'abord celui-là. Enfin ces deux-là. Let's go. Ok, pas trop de mal. Ensuite ici personne m'a vu. Alors... On en a ici devant. Deux devant. Alors les archers, on a vu qu'ils étaient derrière. C'est ça? Il y a deux boucliers. Enfin, j'en vois un, mais l'autre. Je sais pas si... Je me semble en avoir vu deux tantôt. En plus du gros. Ah, il y a plus de... Il y en a plus de méchants que ce que je pensais. Et il y a deux boucliers, effectivement. Le gros est dans la fumée. D'abord lui. Et le gros m'a vu. Ok. Et là, on va simplement... Ah ! On va simplement attendre de changer l'aggro. Voilà, on va attendre que tout se réinitialise. C'est une technique à laquelle je n'avais pas pensé. Mais je pense qu'il faut liquider les petits un par un. C'est bon, j'ai remplacé l'aggro. Si cette technique-là ne marche pas, les amis, je sais pas quoi faire. Là, on en a un. Il m'a pas vu, s'il te plaît. Donne pas l'alarme. Ok, comme ça j'ai pas besoin d'attendre. Ok, on a un deuxième gaillard là. Il n'y a plus qu'un bouclier. Les deux archers, il me semble. Enfin, les trois petits qui sont au milieu. On va attendre que la grosse remette. Ok, les autres ne m'ont pas vu. Ça, c'est génial.
En fait, il faut complètement les désengager avant de retourner au combat, sinon, voilà. Là, il reste vigilant et ça ne va pas. Ok. J'essaie cette technique-là. Ah, c'est bon. On y retourne. Là, on se fait le bouclier et les trois petits. Et après, on se fera le gros. En compagnie du chauve, là, qui nous aide. Parce qu'il a aucune chance en 20 contre 1, mais à 2 contre 1, on a une chance. J'ai envie de dire. Let's go. Donne pas l'alarme! Il a pas donné l'alarme. On se fait l'archer en premier. Je suis à boulet, je l'ai raté. Cassos! C'était pas prévu du tout. J'espère que je peux qu'il est pas trop tard pour initialiser l'aggro. Ok, la musique se calme. Les amis, on l'a fait. Je crois qu'il y a encore deux petits, c'est ça? Un ou deux petits. Et on sera bon. On y retourne. Combien d'ennemis est-ce qu'il nous reste? Un avec sa torche. Et où est le deuxième? Bah c'est que c'est le dernier. Ok les amis, c'est le dernier avant le gros. On y croit. On y croit. On ne se presse pas, surtout pour ne pas se tromper. Pas faire de faux pas. Ah, par contre, ce qui m'embête, c'est que le gros soit derrière lui. J'aurais bien aimé qu'il soit devant. J'ai essayé un truc de plus risqué. C'était pas prévu dans mon plan initial. D'abord, j'attaque lui. Et puis lui. Pas lui. What? Je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai réussi. Un truc de fou. Hello, mon pote en bleu. Toi, viens. Allez, c'est maintenant ou jamais. Il se fait attaquer? Vas-y, mon copain. Allez, à deux contre un, on peut y arriver. Oh non, fuck. Je profite de ta force, mon ami. Non. Ok. On l'a mis mal. J'essaye un truc. Non. C'est un... Non. Non. La technique, elle était bonne. N'empêche, les amis, la technique était bonne. Mais putain. Non, ça va me prendre une plombe encore de péter l'aggro de tout le monde. Même technique. Ok les amis, j'y suis à nouveau. Je pense qu'on va se faire une petite ellipse le temps que je nettoie tout le monde, histoire que la vidéo ne dure pas trop longtemps. A tout de suite. Ok les amis, c'est reparti. Même plan. Non. Mon pote! Vite, viens m'aider, mon pote! Ok. Oh oh! C'était pas encore prévu! Ok. Non! Je dois compter absolument sur lui! Attaque-le, mon ami! Bien joué! J'ai pas le droit de prendre un seul coup! Oh, je suis vraiment un baka! Je retente! Ok. Ok.
Mais quoi? Il faut que j'arrive à le vaincre dans cet épisode, les amis, c'est pas possible autrement. Bonus à votre stop. Putain, j'aurais réussi si... Ah ! Je sais pas pourquoi, j'ai oublié de faire l'attaque par derrière. Mais j'aurais réussi si j'avais pu le faire. Ah, je suis dégoûté, les amis, je suis... Mais la technique est bonne. Mais je suis dégoûté, putain, si j'avais fait le backstab, il serait mort, là. Kéreux les amis, j'ai lavé tout le monde, il reste plus que le gros, je vais aller faire le backstab. J'ai fait le con, j'ai déjà dû user ma gourde et encore j'ai perdu de la vie en plus. Parce que l'algorithme il change en fait. C'était pas le même et genre y'en a un qui est venu par derrière dans l'eau. Et c'était un mec avec un bouclier qui a pas arrêté de m'enchaîner. Donc j'ai rien pu faire du tout, c'était pas prévu, je devais le backstab. Lui il est bugué en train d'agoniser. Là je fais le backstab du gros, je vais chercher mon pote. Et là, on y arrive, les amis. J'ai 12 shurikens. Je vais les claquer quand il restera genre un tiers de sa vie, je dirais. On y croit. Allez, Skippy. Oh, j'ai cru que je l'avais raté. Allez. C'est pas le moment de me lâcher, mon pote. Bats-toi! Par contre, c'était pas prévu qu'on se batte si près de la rive. Ok. Oh! Ça va, on se débrouille pas trop mal pour le moment. J'ai encore ma résurrection. Allez! Allez, mon pote! Tiens, encore bon, un tout petit peu, s'il te plaît. Un tout petit peu, on y est presque. Chine ! Saké non raffiné. Une bouteille de saké non raffiné. Le saké est quelque chose que l'on partage. Ce saké brut est l'un des préférés d'Ishin à Shina. Il a un rhum riche et charpenté. Il aurait toutefois tendance à rendre sous très rapidement. Parle de chapelet. 4 unités de sculpteur permettent d'augmenter la vitalité et la posture maximale. Ça, c'est bien. Pour moi, j'en ai 2. Oh. Et t'es riche? Pas du tout. Ok, les amis, c'est bon, on a réussi? C'est là. On a réussi! Et j'ai même pas eu besoin de la résurrection. Je suis trop fort! Allez, un point de sauvegarde, s'il vous plaît. S'il n'y a pas de poids sauvegarde, ça veut dire que si je meurs avant... Putain, je suis bon pour le refaire celui-là, et non merci. Il était quand même moins difficile que celui-là que ça lance. Il suffisait juste de comprendre que l'autre allait m'aider à la fin. Je voudrais un checkpoint s'il vous plaît pour pouvoir sauvegarder. Oh fuck! Oh! Il me reste un PV là, les gars. Presque. Je peux surtout pas perdre.
Let's go. On a un objet ici. De l'huile. Un hôtel de sauvegarde. Ça y est, on a réussi les amis, on vient de battre le deuxième boss du jeu. Y'a quoi? Se reposer, on sauvegarde, la totale, on récupère notre vie, la résurrection. Et surtout, c'est ici que va s'arrêter cet épisode les amis, j'espère qu'il vous aura plu, il aura duré 1h16, sans compter qu'il y a eu un moment où, tous les moments où je backstab et tout ça, en vrai le boss... Je me suis pas si mal débrouillé, à vous de juger en commentaire. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. À vous abonner à la chaîne aussi, ça me ferait plaisir. Dites-moi votre avis sur ce jeu si vous y jouez vous-même. Et les petits conseils, c'est pas de refus. Je tiens aussi à remercier pour les 330 abonnés. Je voulais faire une vidéo spéciale 300 abonnés. Je sais pas encore quoi faire. Mais ça va venir, vous l'aurez, comme je l'ai fait pour la vidéo 100 abonnés et 200 abonnés. Donc merci à tous. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde, c'était Skippycraft et portez-vous bien. Merci d'avoir regardé la vidéo.